Bonjour, voici une courte vidéo pour vous présenter une des applications de Math Learning Center. Alors, c'est l'application Number Pieces. Je prends, dans le fond, j'ai l'option ici de prendre tous mes petits cubes et bien sûr mes barres et ma plaque de centaines. Alors, j'ai ici mis ma consigne en utilisant le texte pour les élèves. Je peux grossir mon texte. Et là, ben, ce qui est intéressant, c'est que je sais que certains utilisent du matériel qui a d'autres couleurs que le jaune, donc on pourrait changer les couleurs. Si je veux travailler avec le matériel semblable à ma classe qui est en bloc avec de couleur verte, je peux le mettre. Alors là, ce que je voulais illustrer, moi, c'était 124. Alors, j'ai ma centaine. Je vais mettre ma dizaine ici. Je vais la dupliquer. Alors, on voit qu'on le voit mieux. Et je vais mettre mon unité ici. Je vais en produire 4. J'aurais pu, bien sûr, aller sélectionner les cubes à gauche, mais on voit aussi qu'on peut dupliquer. Si j'ai ma dizaine et que je voulais démontrer quelque chose et que ça m'amenait, par exemple, lorsque je fais une soustraction, à devoir briser ma dizaine en unités, je peux le faire. On voit maintenant qu'ils sont en surbrillance. La ligne, elle est plus foncée, donc elles sont maintenant séparables. Alors, on peut aussi utiliser le regroupement si je le mets ensemble et que je sélectionne le tout. Une fois que j'en aurai 10 et que je vais dire grouper, il va accepter de les remettre dans une dizaine. J'ai mon option ici qui est maintenant disponible. Alors, je peux récupérer ma dizaine. Alors, intéressant parce que si on ne voit pas bien, on peut donc zoomer si on a une page donc indéfinie pour avoir agrandir ou rapetisser notre image. On peut se servir pour faire écrire avec soit le tabulateur ou avec le crayon. On peut bien sûr effacer, mettre des choses à la poubelle. Alors, ce n'est qu'un bref aperçu du potentiel d'une application, mais ce groupe a près d'une dizaine d'applications très intéressantes qu'on pourra faire la démonstration dans le cadre d'un atelier plus complet. Alors, j'espère que ça aura piqué votre curiosité et que vous aurez le goût de venir assister aux autres petites présentations, aux autres applications disponibles pour les élèves.